Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac. Ce soir, je reçois pour vous Monsieur Gédéon Kolela Kafumba du bureau politique FCR, Front Citoyen pour la République et membre de Ensemble pour le Changement. Monsieur Gédéon, bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac. Comment allez-vous? Bonsoir Madame Nicole, je vais bien, mais je suis vraiment flatté pour votre invitation. C'est vrai que c'est pour la toute première fois que j'ai eu la grâce d'être invité par vous. Et je suis très content et ça me fait de plaisir. Je suis ravie moi aussi, Monsieur Gédéon. Vous êtes ensemble, vous avez suivi les discours du chef de l'État. Comment l'avez-vous analysé? Bon, le chef de l'État, je l'ai suivi ensemble avec tous les Congolais, réunis. Et vous avez, je même regrettais d'avoir rimé meneur pour suivre le chef de l'État. Ah bon, comment ça? Il a commencé par défendre une cause qu'il ne croit pas juste. C'est pour ça qu'il s'est versé dans de plaisanteries tout au début de son discours. Mais un peu de l'humour, ça ne dérange pas. Hein? Voilà, lorsqu'il s'agit des questions d'État, on ne vient pas pour commencer à plaisanter. Parce que mais c'est peut-être parce qu'il avait constaté sérieuses. Que tout le monde était calme, la salle était un peu sous tension, il a voulu que les gens se détendent. Lui-même a compris qu'il était à côté de la plaque parce qu'il a dit que je pense que vous attendez aujourd'hui que je vous dise que comprenez mon émotion. Il a été un peu nostalgique. Et maintenant, il parle de la passion il a pensé qui à Mobutu. Est une lame pour le patriotisme. Mmh. Et c'est là qu'ils sont affectés par les complexes d'affranchis. Des rationalisations pour rendre les Congolais plus mieux qu'ils étaient avant, parce qu'ils s'est attaqué, même, vous avez vu, de colonialistes et consorts. Et pourtant, les motifs qui constituaient la perspective de l'indépendance, c'était pour que les Congolais vivent mieux qu'ils étaient avant. Et alors, pour une nation qui saigne, pour un peuple qui souffre, dont les acteurs... Donc après l'indépendance égale avant l'indépendance alors. Dont les acteurs, je voudrais terminer, Madame Nicole, l'analyse c'est une succession des idées. Oui. Je pense que je voudrais terminer ma phrase en disant oui, que allez-y. Pour une nation qui saigne et pour un peuple qui souffre, dont les acteurs principaux qui ont tiré de la dégradation de cette situation de notre peuple, qui est frappé en plein... de plein fouet d'une situation économique désastreuse, et cela pendant 17 ans, où le peuple congolais meurt chaque jour au regard de la décomposition de l'État face au foyer des tensions. Et vous venez, et vous avez, il s'est référé sur le mort de l'espace Kasaï, mais vous vous rendez compte qu'à aucun jour on avait décrété une journée de deuil national. Alors, c'est comme si on était en train d'assister à un discours des nazis, de Hitler Adolf. Et c'est comme si mourir, maintenant les morts, c'est devenu normal. Aussi, hein. C'était la parité, voilà. Donc, Joseph Kabila, je pense qu'il s'est fait de plus en plus un homme de rendez-vous raté. Merci pour votre analyse, Monsieur Gédéon. Dans l'opinion, on estime que Kabila maintient le suspense sur son avenir politique. C'est aussi, c'est là, votre avis? Bien entendu, parce que les Congolais lambda attendaient Joseph Kabila à ce qu'il explique son avenir. Parce qu'on a suivi les discours du début à la fin, il n'a pas parlé de son avenir politique. Il a commencé à faire le bilan. Le bilan, on le fait sur base de projets des sociétés, de programmes économiques. Ouais. Et Joseph Kabila nous a parlé des 5 chantiers. Il devrait nous dire qu'est-ce qu'il avait promis, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Il a parlé de l'évolution de la modernité. 12 000 km de route praticable. Oui, 12 000 km sur 50 quelques mille kilomètres. Pour une méga nation comme le Congo, pendant 17 ans, je pense que le bilan est vraiment négatif. Il n'y a pas de débat là-dessus. Et le chef a manqué de mots justes.
Et c'est pour ça que je vous ai dit que, d'ailleurs, je t'ai estomaqué lorsqu'il a fait allusion à taux de participation des élèves. Oui, 10 millions. 10 millions à 22 millions. Oui. Mais sans tenir compte de la descente, de la densité de population qui est croissante d'une manière permanente. Et vous savez, lorsque l'AFDEL est venu, il nous a trouvé au nombre de la population a été variée vers 35 millions. Aujourd'hui, nous sommes plus de 80 millions, sans tenir compte que nous sommes gérés par spéculation. Il n'y a pas de mathématiques justes. Et tout cela, donc, si le chef de l'État croit que de 10 millions à 22 millions, je pense qu'il doit revoir les calculs, parce que je me pose même la question, si la transmission des savoirs pouvait viser que la connaissance, il y a question maintenant de demander quelle qualité la qualité. Parce que donc, c'est basé sur le nombre et non sur la qualité, parce qu'il y a même le ministre de l'ESU qui a dit qu'on devait supprimer l'examen d'État. 80% de ces détenteurs de diplômes ne méritaient pas. Voilà qu'il y a... C'est ça la contradiction. Ouais. C'est pour dire que Joseph Kabila devrait rectifier. Et puis aussi, il ne devrait pas commencer à parler de ce bilan partant de 1998. Et or, il sait là aussi que lui et son père, ils ont démartelé le patrimoine national de la GECAMINE. Ici, je voudrais parler des permis minières qu'ils ont distribués en désordre au profit de leurs bailleurs de fonds. Et cela a aussi fait dégrader la situation économique et qu'aujourd'hui, nous sommes dans le marasme social qui ne dit pas son nom. Et on l'attendait à beaucoup plus de choses. Et surtout, le président devrait libérer les pays. De toutes les façons, vous savez, la lutte, c'est quoi? C'est la consolidation de la démocratie par l'acceptation de notre pacte républicain, de la alternance au sommet de la République, mais non les caractéristiques impératives des mandats électifs. Et alors, vous avez aujourd'hui le président lui-même, j'ai compris que c'est un logiciel hors la date de péremption, que lui-même il est hors mandat et que le Sénat hors mandat et nous sommes dans un flou artistique qui ne dit pas son nom. Dans et je comprends pourquoi lui-même toutes a manqué le mot juste, parce que dans un pays où ce sont des institutions plutôt d'appui à la démocratie qui commencent à diriger le pays, ici je veux parler de la CENI, où vous trouvez quelqu'un, à part la diarrhée des mots de bon français, mais il n'arrive pas à donner de réponses justes. Ici je veux parler aussi de processus électoral. Oui, on va y arriver. Monsieur Gédéon, mais lorsque Kabila parle de sa passion du Congo, il y a un indice qu'il sera candidat. Là, au moins, vous êtes d'accord avec moi. Je disais tout à l'heure que... Parce que chacun interprète à sa manière. La passion pour les Congos, c'est une lame patriotique ou de patriotisme pour ceux qui sont affectés des complexes d'affranchis, des rationalisations dans la gestion des biens publics. Mais il me semble que le Congo, c'est un État en faillite et privatisé. Parce que son autorité s'effrite chaque jour davantage. Vous connaissez qu'il y a la corruption, il y a l'impunité. Les administrations publiques... Ben, il a même dit qu'il renforçait la justice. Qu'il a... vous connaissez oui, la justice de sa manière. Ici, je voudrais dire que les administrations publiques sont devenues une machine infernale de la prédation de la richesse et des répressions des citoyens. Et vous savez que les manifestations publiques ont été interdites. Et pourtant, si, Madame Nicole, nous avons combattu Mobutu dans ce pays, c'est parce que les Congolais avaient besoin d'un État générateur.
une nation démocratique unie dans la paix. Une nation, on avait besoin d'un État qui doit nous procurer de la prospérité, qui doit être une propriété commune avec des institutions qui créent des espaces de liberté, de manifestation, de liberté d'expression. Voilà, et un État qui doit, en fait, qui nous vaut le respect avec d'autres nations dans le monde. Et vous savez que maintenant, là, j'aurais appris qu'il y a eu 110 Congolais à l'Ouganda qui sont arrêtés et le gouvernement silence radio. Et autrefois, vous avez vu ici au Congo-Brazza, nos frères compatriotes ont été expulsés et un gouvernement silence radio, ils sont complices. Mais moi, je ne sais pas. On ne sait pas s'ils sont complices, là, vous soupçonnez. Donc, je pense que, en quelque sorte, nous avons des chefs, des corvées qui sont là pour, au fait, des soucis. C'était juste une façon de parler, il n'a pas la passion pour le Congo. Vision. Je dis bien, nos dirigeants n'ont pas. Si Joseph Kabila avait la compassion, ou la passion plutôt, comme il parle, mais il allait compatir. Libérer ses pays. Et d'ailleurs, c'était une occasion en or qu'il puisse rendre les tabliers durs. Parce que, pas plus loin que hier, Joseph Kabila, il a reconnu qu'il n'a pas pu valoriser le capital humain congolais. Oui, il n'a pas pu transformer. Ce qui est une exigence impérative pour une république démocratique juste. Mais vous lui demandez un peu trop à Joseph Kabila quand même. Hein? Je vais terminer ma phrase, s'il vous plaît. Pour une république démocratique juste et solidaire avec une prospérité à partager. Alors, voilà que pour cette valorisation des capitaux humains, passe par logiciel nouveau, mental, tourné vers le progrès et le développement qui traverse par les leviers de l'éducation, de la recherche scientifique pour une politique de création d'emplois et de la santé publique, une couverture sociale du genre de personnes vulnérables. Et voilà. Et qui pourra permettre aujourd'hui d'avoir un logement décent? Donc là, le président Kabila, il ne pouvait pas revenir pour nous parler des avancées dans l'éducation, cependant qu'il n'avait pas de compétences requises pour transformer l'homme congolais. Il s'est isolé paradoxalement lui-même en disant ces choses. C'est pour ça qu'il y avait des gens qui ont pensé que le président pouvait bien s'en passer de ce qu'il avait dit là, mais tellement qu'il a été très mal inspiré, il y a des gens qui ont qualifié ça comme insulte à l'endroit des Congolais. Alors aujourd'hui, c'est encore paradoxe que nous trouvons dans les chefs. Donc selon vous, Kabila n'a pas cette passion pour le Congo parce qu'il ne compatit pas à la souffrance du Congolais, hein, si je dois comprendre, parce que chacun interprète à sa manière. Donc cette phrase-là a fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Chacun interprète à sa manière, en tout cas. Alors, mais Madame Nicole, vous avez suivi, je vais vous laisser la parole de me poser la question, vous avez suivi pas plus loin que hier ce qui s'est passé sur l'espace Kasaï. Même au temps de Mobutu, on n'avait jamais entendu parler de 80 fausses commises, de plus de 80 fausses commises. Où serait cette passion-là de la jeunesse pour le Congo? Avec autant de morts. Où seraient les auteurs intellectuels, les auteurs matériels? Il a parlé de la justice. Ce n'est pas l'éclatement. Les portes des prisons restent toujours ouvertes. Hein. C'est pourquoi il y a évasion, je crois. Vous voyez, les portes, vous l'avez dit. Moi, je pensais que c'était de rigueur, mais je comprends. Tolérance zéro. Le président, ce ne sont que des slogans ou comment? N'a pas développé les compétences idéales pour amener aux Congolais ce qu'il avait promis. C'était encore une fois de plus. Donc, taper à côté. Taper à côté. Donc, avoir la passion du Congo est une chose, hein, et être candidat en est une autre.
Monsieur Gédéon. Oui, vous voulez me demander mon point de vue sur la candidature de Joseph Kabila. Parce qu'il y a de ceux-là qui pensent, qui disent même que non, non, Kabila a la passion pour le Congo, il va se représenter tellement qu'il aime le Congo, il veut rester au pouvoir, il va se représenter, il y a même sa famille politique qui se réjouit et qui dit que non, Kabila c'est notre candidat et qu'il va aller déposer sa candidature. Voilà pour, parce qu'il a la passion pour le Congo. Il doit je ne voulais pas... Donc, passion et candidature, c'est quand même... Ok, faute de temps, je ne voulais pas faire les analyses de la formule juridique qui est statique, qui ne permet pas à Kabila de braquer un troisième mandat. Il n'y a pas l'ouverture. Voilà, même ceux qui sont dans l'enthousiasme, dans l'euphorie, parce qu'ils sont condamnés à la... À l'idolâtrie, de la déification d'un individu qui, en fin de compte, il ne nous a rien donné. Mais la révision de la Constitution qu'on a, nous, créée autrefois, c'était la fraude à la Constitution ou la fraude constitutionnelle. Nous n'avons pas le temps parce que je suis juriste, je connais ce que je dis. Et cela ne portait pas sur les mandats des chefs de l'État. C'est juste pour le mode de scrutin. Donc, il n'a rien à voir avec les mandats des chefs de l'État. Mais on peut aussi raisonner par absurde. Et que, vous savez, madame, l'ultime objectif du pouvoir public ou du pouvoir politique reste en dernier ressort le progrès social. Parce que la question de l'amélioration des conditions de vie des citoyens reste posée avec acuité. Et maintenant que Joseph Kabila reconnaît lui-même que le peuple est dans le marasme économique qui ne dit pas son nom, et qu'aujourd'hui, même s'il doit donner le troisième mandat, pourquoi faire? Parce que lui-même, c'est un logiciel... non, c'est, donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un logiciel. Vous savez, chaque produit a sa date de péremption. Et aussi Joseph Kabila, dans le Révis panoramique, il a fait ce qu'il a fait. Nous le remercions pour ça. Mais voilà, la démocratie veut à ce qu'il passe le bâton, comme il avait promis. Vous savez, Joseph Kabila, il m'avait émerveillé en 2006 lorsqu'il a tenu le premier discours en dehors de dire que les portes des prisons restent ouvertes. Très ouvertes. Je ne savais pas que c'était pour les évasions, les évasions qui ont succédé. Mais il avait dit fini cette illusion aromatique de positionnement. Et des combines politiciennes pour accéder au pouvoir, désormais cap vers les élections. Et je vis que le devoir de mémoire me montre que le président n'a pas franchi les permis de crédibilité et dans une morale qui développe le plus de positions de responsabilité lorsqu'il a encore pensé à des dialogues, à des concertations pour revenir sur ce qu'il avait qualifié des combines politiciennes, vous voyez, des illusions aromatiques, des calculs pour accéder au pouvoir. Mais là, c'est des paradoxes. Mais il a promis de respecter la Constitution. Cela ne vous rassure toujours pas. C'est comme si ça ne suffisait pas. Il a promis, je vais encore me répéter, qu'il va respecter la Constitution. Est-ce que vous croyez que les Congolais... Et que le 23 décembre, il y aura bel et bien élection. Oui, avoir élection, c'est autre chose. Ça ne vous rassure chose. Pas, ça ne mais suffit pas. Vous voulez seulement qu'ils disent que non, élection, mesdames et messieurs, je ne veux plus me représenter. C'est ce que vous voulez. Lorsque dans cette élection... C'est quand même le président de la République. On vous parle de la machine à voter qui ne cadre pas avec le calendrier. Vous voyez la contradiction, vous voyez dans les contextes dans lesquels nous sommes en train arriver, la machine à voter, quand même dit qu'il va respecter la Constitution. Il va respecter la Constitution, ça ne suffit pas parce qu'il a dit, je venais de vous montrer ici, de peindre un tableau de Joseph Kabila en 2006, mais il a dit cap vers les élections, mais il est revenu sur le dialogue. Et en 2016, vous savez que lui-même... Il a dit non, voilà, il faut des concertations.
et ces concertations ont pondu un schéma. Et que je vous informe que les solutions de ces dialogues de Saint-Sylvestre Il paraît que le corps de Mobutu devait venir. N'ont jamais contribué à la cohésion nationale. Mais jusque-là. Non, oui, c'est tout ça. C'est pour ça que je vous dis que Joseph Kabila, la libération des prisonniers politiques. Ce n'est pas quelqu'un à qui il faut faire confiance. La crédibilité de la parole d'honneur. Je pense que ce n'est pas une vocation pour Joseph Kabila. Mais espérons qu'il va respecter la Constitution, comme il l'a dit. Hein, nous sommes encore au mois de juillet, on a encore quelques mois. Donc il va respecter la Constitution. Donc soyez rassurés quand même, hein, chers téléspectateurs, Joseph Kabila va respecter la Constitution. Il devrait respecter la Constitution lorsqu'il a parlé de l'éducation en évoquant la gratuité de l'enseignement. Et où serait passée la gratuité de l'enseignement? Là aussi, il faut comprendre. On se pose la question. Si une question simple que ça n'a pas été respectée. Mais quelle confiance faut-il accorder et quel crédit faut-il accorder? Il faut quand même espérer. C'est le président de la République, il est au-dessus de la mêlée. Il ne peut quand même pas s'épier à vos quatre volontés, je ne sais pas, vous, de l'opposition. C'est ce qu'il a dit. Il a même dit dans son discours que vous lamentez trop. Non, moi, vous ne voyez pas ce qui a été déjà fait. Vous ne voyez que ce qui... Je pense que ce n'est pas question de croire à ce qu'il a dit, parce que c'est les élections... ne fait pas partie de la volonté volontariste ou manifeste de Joseph Kabila. De Joseph Kabila, oui, ça je le sais. Et il faut connaître que c'est la détermination de notre peuple, l'engagement de notre peuple, qui veut prendre le devant cette fois ici. Oui. Parce que tout est bloqué, hein. On a besoin de ces élections pour que tout soit débloqué quand même. Et notre peuple veut bénéficier de la dividende de cette lutte à tous les niveaux. Et je pense que c'est ce qui donne l'espoir. Et pour ça, vous devez vous rassurer, madame, les vécues quotidiennes et les cris de détresse de toute la masse populaire sont une expression sans conteste qu'il y a un besoin pur d'une alternance comme impératif. Oui, monsieur Gédéon, merci. Monsieur Gédéon, est-ce que le fait de ne pas trop savoir si Kabila sera candidat ou non, ne joue pas en défaveur de l'opposition? Bon, moi je pense qu'il faut relativiser les répercussions des rêves par des analyses positives d'appréciation pour permettre les uns les autres d'agir non par le verbe mais par le fait. L'opposition est organisée, l'opposition est prête, l'opposition ne tremble pas. Moi je vous dis, si même la possibilité pour Joseph Kabila pouvait être possible dans la formule statique de la constitution ou juridique, je vous dirais que Joseph Kabila ne fait pas peur, parce que lui-même a dit que les choses ne marchent pas au bon train parce qu'il est entouré que des troubadours et des triféraires. Vous avez raison, vous souvenez, parce qu'il est mal entouré. Alors, imaginez, c'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas un candidat. Il n'y a pas un candidat. Oui, je venais de vous dire tout à l'heure. Il doit quand même faire aussi des descentes sur le terrain. Je vais vous dire tout à l'heure. Joseph Kabila, encore une fois, je vais me répéter, il s'est isolé paradoxalement à dire qu'il n'a pas valorisé le capital humain. Ça, c'est un discours qui met Kabila et toute sa famille politique à genoux. Ils n'ont pas un discours, ils n'ont pas un bilan, et même, ils nous ont donné le bilan qu'il n'y a rien. Merci, M. Gédéon. Nous allons maintenant passer à notre première rubrique, la Libre Info, et nous reviendrons juste après. Accord pour l'alliance avec les alliés, le peuple d'abord, et unis pour la République, sont là les trois formations politiques qui soutiennent la candidature de l'ancien Premier ministre Adolf Mouzito. Bofassa Djema, président de l'UREP, motive ici ses choix. Notre choix s'est porté sur sa personne. Et j'ai donné un exemple. Si nous sommes dans un quartier, il y a beaucoup d'enfants qui jouent au football, par exemple.
Mais les aînés, quand ils passent, ils voient les jeunes gens jouer au football, ils peuvent pointer un ou deux ou trois. Et ils vont dire aux parents, « Ah, mon aoyo, n'a caché ton calé, malam, on a football, à aucun émotique. » C'est le même cas avec Mosit. Nous ne sommes pas de Palou, mais nous fréquentons le Palou aussi, parce que nous avons des amis là-bas. Et nous qui sommes en dehors de Palou, nous portons un choix sur un de leurs cadres. Ces formations politiques formulent cette recommandation à Adolphe Mouzitou. Groupement politique, UREP, PPA et AAA, ils ont pris les résolutions suivantes. Ils adhèrent à l'idéal poursuivi par l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou et à sa vision relayée par les tribunes et à travers l'université populaire dont il est l'initiateur. Ils apportent leur soutien au nouvel élan qui s'est engagé à donner à la RDC à travers ses idées, son action et ses initiatives politiques et sociales. Ils soutiennent son projet de candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018 et l'engage à le concrétiser dans le meilleur délai. A noter, ces membres de la plateforme Nouvel Élan comptent rencontrer ces cadres du Palou l'un de ces quatre matins pour avoir sa réponse par rapport à cette désignation. De retour sur ce plateau, Monsieur Gédéon, une question là, plus l'opposition, vous venez de dire tout à l'heure que non, l'opposition n'y tremble pas, l'opposition est prête pour les élections. Alors plus l'opposition cherche, mais vous cherchez quand même à en savoir plus sur l'avenir politique du chef de l'État. L'opposition est pessimiste quant à la tenue des élections et ne se prépare pas en conséquence. Non, je sais que les gens. Est-ce que vous dites toujours que non, vous êtes prêt? Est-ce que c'est une façon de parler ou vous êtes vraiment prêt pour les nous, élections? Nous, on a été prêt avant même qu'on parle des élections. Du moins, si l'opposition ne sera pas prête, qu'est-ce que l'opposition va encore faire? Parce que nous ne sommes pas au charbon, nous ne sommes pas au majoir. On se prépare pour gagner effectivement ces élections et donner des réponses à notre peuple. Vous savez mais il y a eu quand même des problèmes de caution là pour aligner des candidats. Des problèmes de caution, renseignez-vous, nous sommes parmi les gens qui ont aligné les candidats à tous les niveaux et dans toutes les provinces sur les 145. Je rappelle que FCR, le Front Citoyen pour la République, et de Jean-Bertrand. Jean-Bertrand Ewanga, c'est lui le président national. Ouais, qui est un cadre par excellence pour les Congolais de pouvoir prendre conscience de leur situation et aussi de gérer les pays autrement. Pas de la manière où les gens pensent que pour avoir un véhicule, il faut nécessairement être politique. C'est maintenant les jeunes, c'est pourquoi tout le monde veut faire la politique maintenant. Il faut avoir la main tendue. Non, nous venons avec un nouveau logiciel. Tout le monde veut faire la politique mental, parce que là-bas, il y a de l'argent. Tourner vers le progrès et le développement, comme je vous ai dit, et que ce peuple a l'espoir de compter sur nous parce qu'on ne vient pas. Donc vous êtes, l'opposition est prête. Avec le souci d'enrichir nos poches. Donc cap vers les élections, donc l'opposition est prête pour le 23 décembre. Donc il n'y a pas de souci. Ouais. C'est bon, alors arrêtez aussi vous attardez sur Kabila doit se représenter ou pas. Non, préparez-vous plutôt pour les élections. Non, c'est moi bon. Je vous ai dit, Madame Nicole, que ça soit Kabila ou pas, nous allons gagner les élections. Soyons-en. Mais ce n'est pas nous qui empêchons Kabila de se présenter, mais c'est la constitution qui ne le permet pas de se présenter. Ok, c'est bien, mais sur le plan social, Joseph Kabila note des avancées par rapport à là où il avait trouvé le pays. N'a-t-il pas raison de s'en réjouir, Monsieur Gédéon? Non, je disais tout à l'heure, rapidement, on n'a pas de... Joseph Kabila devrait nous donner les bilans par rapport au projet des sociétés de 5 chantiers qui sont devenus les 5 sentiers, au lieu que ça soit, vous savez, ce n'est que... C'était une entreprise, au fait, de prédation.
Vous avez vu avec l'hôpital des cinquantenaires, dont les soins ne sont pas accessibles parce que les Congolais vivent en dessous des 45 ans parce que les systèmes d'accès à la santé, c'est une vaste moire. Oui. Ça, vous connaissez. Et que ce cheval blanc a pris 100 millions de dollars. Vous voyez c'est... Et vous avez le boulevard Triomphal avec 5 kilomètres qui a pris 29 millions de dollars. Rapidement. Donc, vraiment, c'est pour vous dire que c'était qu'une vaste machine infernale de prédation de la richesse du Congo. Et parlons de la souveraineté du pays qu'il défend. Joseph Kabila s'en prend à l'Occident. Ne faut-il pas le soutenir sur ce point? Non, c'est lavé d'échec et c'est l'incapacité de l'incapacité et l'incompétence d'avoir l'influence d'une politique internationale. Donc il n'a pas pu développer les compétences idéales pour influencer la politique internationale. Pour le faire, il faut avoir des noyaux durs, c'est-à-dire l'économie stable, il faut avoir une armée dissuasive. Puis, vous savez, Joseph Kabila a dit que nous allons, la souveraineté consistait d'après lui à financer nous-mêmes les élections. Oui, nous allons nous-mêmes financer les élections des 4 milliards. Et ces budgets des 4 milliards, vous savez que nous disposons que 40%, les 60% vient ailleurs. Où serait la souveraineté là-dessus? Mais attendons et voir, puisqu'il a dit que nous allons nous-mêmes financer les élections. Bah, Madame Nicole, nous allons décortiquer cette question prochainement. Parce que je vous dis qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe entre Trump et Kim Jong-un. Aujourd'hui, parler de la souveraineté, même les États-Unis n'est pas totalement souverain. Souverain, oui. Bon, attends que tout nationaliste. Tout nationaliste se battrait contre l'impérialisme occidental. C'est ce qu'il fait justement, Joseph Kabila. Nationaliste, moi je vous dis que c'est un nationaliste ne peut pas tenir les armes contre son propre peuple. Vous savez de quelle manière Joseph Kabila a accédé au pouvoir avec son père. Mais ils sont venus libérer l'Afdel, les Zaïre à l'époque. Vous ne pouvez pas libérer le peuple au moment où vous avez fait la rébellion avec une armée étrangère. Vous voyez, donc cette armée étrangère, vous savez, ça reste dans les annales du Congo qu'on a été dirigé par un chef d'État. Donc selon vous, ce n'est pas un nationaliste. Vous savez, non, moi je ne crois pas. Et puis arrêtons cette blague. Arrêtons cette blague des nationalistes. Et tous ces gens, tous ces pseudo-nationalistes-là qui n'ont pas l'esprit de nationalisme. Et nationalisme, c'est quoi? Lorsque vous voyez aujourd'hui le Congo, le peuple est prêt d'accepter que les colonisateurs reviennent parce qu'ils vivaient mieux qu'aujourd'hui. Ce n'est pas ce que j'encourage, mais je vais vous dire, aujourd'hui, il faut arrêter ces cantiques de parler. Il faut agir par le fait, mais non par le verbe. Monsieur Gédéon, vous avez peut-être les mêmes revendications que l'Occident, mais pas les mêmes intérêts, les savez-vous? Écoutez, parce que l'Occident veut que Kabila puisse partir, et vous également. Non, ce n'est mais pas... Vous n'avez pas on ne converge pas dans ce sens-là. Je pense qu'il faut connaître les choses dans la mesure où gouverner, se prévoir. Ici, Kabila a un problème avec la Constitution. Et notre Constitution n'a pas seulement l'ancrage d'une identité congolaise ou congolaise, si vous voulez, mais il y a des principes internationaux. Nous partageons les mêmes valeurs. Vous voyez, si l'Occident n'intervient pas, ça sera non-assistance à la personne en danger. Vous voyez, c'est pour ça que vous voyez. Les Congos, vous savez, la vie, c'est l'examen le plus difficile. Et que beaucoup de gens échouent lorsqu'ils essayent de copier les autres sans réaliser que le monde ne nous réserve pas les mêmes questions. Même s'il y a les mêmes questions, mais il n'y a pas de même formule pour les résoudre. Donc, les tourbières que le Congo dispose aujourd'hui, qui lutte pour la lutte contre les réchauffements climatiques, le Rwanda n'a pas ça. Le Congo-Brazza n'a pas ça. Voilà pourquoi il faut avoir un logiciel nouveau mental tourné vers le développement pour donner au peuple
un salut. Je vois que Monsieur Gédéon, vous avez beaucoup à dire, mais nous n'avons plus assez de minutes. Nous allons prochainement, peut-être, nous allons développer. Vous serez encore invité ici sur ce plateau. Vous êtes chrétien, Monsieur Gédéon. Oui. Vous êtes chrétien. Et que dites-vous de vous-même? Les Congolais peuvent-ils vous faire confiance? Faites-le devant le miroir et ça sera tout de suite dans notre rubrique Seul face au miroir. Oui, je pense que les Congolais, ils ont, ils sont obligés de nous faire confiance parce que, étant que chrétiens, l'Église a vraiment de l'influence. Nous avons des exemples éloquents où les hommes de Dieu sont des hommes de situation. Joseph a prouvé en Égypte qu'il était un homme de situation pour répondre qu'au moment de la crise, ce peuple n'a pas manqué à manger. Nous avons les cas de Daniel à Babylone. Et Daniel, sa présence a fait que le peuple était erré. Le peuple était dans la joie. Et Daniel a donné des réponses qu'il fallait. Lorsqu'il a été consulté, il était à la hauteur et il a rendu tout le monde merveillé. Et nous sommes en train de vivre les prophéties de Daniel jusqu'à aujourd'hui. Je pense que si on fait confiance à l'Église et aux hommes de Dieu, les choses marcheront au bon train. Sur ce plateau, M. Gédéon, l'opposition est face à un choix, celui d'un candidat commun. Les voyez-vous facile? Oui, je pense que parler d'un candidat commun, vous avez choisi bien les mots, parce qu'il y a une différence entre un candidat unique et un candidat commun. Je pense que aujourd'hui, dans l'ensemble, tout le monde est affecté des complexes d'affranchis pour amener une rationalisation dans la gestion. Oui. Si Joseph Kabila va continuer à endurcir son cœur, je pense que les jours à venir constituent un constat d'un danger de mort et que l'avenir du Congo tient qu'à un fil fin qui peut se rompre à tout moment. C'est pour ça qu'il doit libérer les pays. Nous demandons juste ça, qu'il libère les pays. Dernière question pour finir, M. Gédéon. Quelle proposition faites-vous pour le développement de notre pays? Nous avons un projet de société. Je vous dis que nous allons commencer par valoriser le capital humain, ce que Joseph Kabila n'a pas fait. Vous voyez, c'est une exigence impérative. Si nous voulons voir. Vous avez une proposition? Oui, oui. Si nous voulons avoir des roses, je vous dis, il faut valoriser le capital humain, qui est l'homme, qui doit être au centre de tout intérêt, de toute action, à tout point de vue. Notre question spéciale, M. Gédéon, si vous mouriez aujourd'hui, quel témoignage peut-on garder de vous? Oh, bon, vous savez, il n'est pas bon que l'homme parle de lui-même. Ah, oui. Il faut que les autres parlent de lui. Parce que l'homme n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Oui. Mais l'homme, il est ce que les autres observent. Oui. Merci beaucoup, M. Gédéon. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Nous avons beaucoup de choses à dire, mais bon, nous sommes vraiment limités par le temps. Donc prochainement, vous êtes les bienvenus une fois de plus dans cette émission. Merci beaucoup, M. Gédéon. C'est à moi de vous remercier. Je rappelle que vous êtes candidat, député national. Hein. Oui, je suis candidat député national sur l'inscription de Mouamba. J'espère qu'on peut compter sur vous pour le changement de notre pays. Oui, d'ailleurs, les gens en veulent bien. Donc, je ne voulais pas, mais les gens m'ont poussé pour dire, voilà. Merci beaucoup. Avez des idéales, vous êtes un candidat idéal pour nous représenter. Merci beaucoup, M. Gédéon. Je rappelle que je recevais pour vous ce soir M. Gédéon Kolela Kafumba du bureau politique FCR et membre de Ensemble. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir et à très bientôt.